C'est quoi un commensal chez les fourmis? Quand on a un invité, c'est un commensal. Chez la fourmi, un commensal, c'est quelqu'un qui s'invite chez elle. Pas gêné, eux! Ah ça oui, pour entrer chez les fourmis, c'est dur. Elle n'accepte personne avec l'odeur de la colonie. Un commensal, c'est un invité qui profite de son hôte. Il en tire des avantages sans que celui qui a invité, donc ici les fourmis, en soit gêné. C'est une association. L'invité est protégé en restant chez les fourmis. Il y trouve à se loger et à manger. Pour cela, il y en a qui arrivent à rentrer en prenant leur odeur. Ou en passant inaperçu. Ils s'installent et vivent sans les gêner. Généralement, ils fouillent les déchetteries des fourmis. Là, ils vont faire les poubelles pour leur repas. On y trouve des grillons, Myrmécophilus, des isopodes terrestres comme les cloportes, Platyarthrus, les poissons d'argent ou l'épisme, des colamboles, des pucerons installés sur les racines, et la majorité secrète des substances dont raffolent les fourmis. Les ouvrières les lèchent. Ce sont des saphils. Et en plus, les fourmis les protègent. Pas gêné. Surprenant, non ?